A pe auruma pe makeiti te ene. Te ora no ara o te maiwa. En français, on dirait, quel est le secret? 55 ans de bonheur à l'état pur. C'est ça qui m'a encouragé. Toute cette jeunesse qui a apporté leur arrogance, leur fertilité et surtout l'amour que je leur ai inculqué pour ce pays, pour notre pays. Mesdames et messieurs, on applaudit encore une fois Coco Hota Hota. Tahiti, la danse traditionnelle, la culture polynésienne, c'est son ADN. Toute la Polynésie est en deuil depuis ce dimanche matin et au nom de Polynésie la Première, nous rendons hommage à ce grand homme, le plus grand des chorégraphes polynésiens, Coco Hota Hota. À l'heure où nous commémorons la Journée mondiale des droits de la femme, Coco Hota Hota tire sa révérence. Il s'en est allé à l'âge de 79 ans. Coco Hota Hota, c'est près de 60 ans d'histoire avec sa troupe Temaeva, créée en 1962. Laisse la nature faire les choses afin de ne pas perdre la danse traditionnelle. C'est le message de notre Metua Coco, un personnage exceptionnel, vrai, où la rigueur prend tout son sens. Nous vous proposons ce soir de découvrir ou redécouvrir un magazine de 28 minutes réalisé par Hina Silva, Jean-Jacques Agostini, Johnny Siu et Gilles Lucot. Mauro Rumet et Coco, Yavai Honoa Totteri, Sacré Coco. Devant tant de gentillesse, devant tant de simplicité naturelle. Tu regardes un visage, à un moment donné, il y a une larme qui va couler, ou une sueur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est tant d'efforts qu'ils ont donné en disant qu'ils sont les meilleurs. Et ça, je trouve ça merveilleux, merveilleux. Spectacle en soi qui est important, c'est ce qu'ils ont donné à un moment bien précis.
tu sais, tu vois que telle fille a donné le maximum parce qu'il y a un moment où elle peut plus, plus sourire, où il y a, pendant les chants, tu vois toutes les veines qui ont éclaté, une larme va couler parce que ça c'est joli. Cette ambiance que je voudrais recréer, il faut savoir regarder et voir. Il y a des gens qui regardent et qui ne voient pas sortir aussi les moments intenses du marché. Le marché, ça fait partie du rêve aussi, ça fait partie de notre vie. Et je ne sais pas qui a dit ceci, que le rêve a tout pouvoir, il en abuse. Ma foi, pourquoi pas, en regardant les poissons qui sont jolis, les bonnies qui sont jolies, les garçons peuvent aussi rêver. Imagine tout d'un coup que la bonnie se transforme en sirène et qui danse rien que pour eux deux. Moi, je trouve ça joli. Puis, donc, à partir de là, il va falloir créer une danse presque érotique. Le rêve, c'est permis. Moi, je trouve ça joli. Non, pas du théâtre, disons que c'est une comédie musicale. Pourquoi pas? Nous avons aussi le droit d'essayer d'évoluer. À un moment donné, il a fallu se poser des questions et dire qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire si nous ne voulons pas mourir? Nous sommes en train de nous endormir. Peut-être alors qu'il faut trouver autre chose. Tout en restant, en essayant de rester dans ce qui nous appartient, qui est propre à nous. On ne dérange pas les habitudes, mais on dit simplement, c'est peut-être ça la vérité.
taurière. Oui, ça c'est joli. Ça va de la jeunesse. Namor Ahumaya. Il y a toujours ce côté donner, 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 non pas recevoir. Parce que ce qui est important, je pense que ce n'est pas de plaire. Nous ne sommes pas là pour plaire. Notre rôle à nous, c'est d'apporter quelque chose. Mais non, je veux un balancier long, pose avec une pose au pied. À trois. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, à trois. Prenez les dernières positions. À trois, un, deux, trois. Non, le nez porté haut, mettre sa couronne. Non. Ne cassez pas les mouvements. Mais il faut garder la main en haut, tresser nos mains, amener vers vous. J'ai de la chance, et je crois que j'ai toujours eu de la chance, parce que je suis bien encadré aussi. Par exemple, Pauline est une fille merveilleuse, merveilleuse. Elle a travaillé de longues années avec moi. Je me repose sur Pauline, sur certaines choses. C'est une fille extraordinaire pour ça. Descendez. Non, on reprend. Plie le genou, Joachim. OK. On peut essayer. Quand tu as une troupe dedans, ça veut dire que tu es le père, la mère, la maîtresse, l'amant, tu es tout. Tout, sauf toi. C'est pas possible. Donc, ce qui fait que pendant 30 ans, je n'ai pas eu de vie familiale, je ne peux pas avoir de vie familiale parce que je dépends de ces filles, je dépends de ces garçons, je dépends de ces musiciens. Eux, ils ont tous les droits, moi, je n'ai pas le droit d'être malade en répétition, il faut que je sois là. Eux, ils ont le droit d'arriver en retard, mais moi, je n'ai pas ce droit parce que je dois être là avant eux, je dois donner l'exemple. Eux, leur rôle à eux, c'est de venir et d'apprendre, c'est tout. Peut-être que avec ça, ils vont essayer d'en faire autre chose qui soit mieux, adapté à leur temps. Vraiment, ces filles-là et ces gars-là, même pas la danse, où il n'y a pas ce milieu de la danse. Comment pouvez-vous imaginer que les groupes arrivent à survivre encore aujourd'hui? C'est avec beaucoup d'amour, mais parce qu'ils aiment la danse, ils ont envie de danser, ils ont envie d'apporter quelque chose, ils ont envie de dire quelque chose, de chanter quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont là. Je trouve ça fabuleux.
Merci beaucoup. Terminez le rite au tombe. On reprend encore les trucs devant. Positionnez Naraya Auto, s'il vous plaît. Alors, c'est d'abord les poules d'un côté, les cochons et puis les cannes. La deuxième partie. Reprenez. La deuxième partie. Dégagez. Amènera les filles là sur la scène. 5 et 5. Alors, 5 dans Omer. Namurit Omer, au théorie, j'ai armé et moi. J'ai armé moi, Orié, Namurit, mais tu as armé. Le plus tôt possible pour pouvoir régler celle-là. Et tu peux autoriser droite, gauche, après bas, haut, et vous continuez, donc vous croisez l'allée. On reprend celle-là à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Non, suivez le rythme. Hey yo, si tu n'es pas capable de suivre le rythme, tu dégages. Hein, Pauline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même à ça, ils sont incapables de faire ensemble. C'est pas possible. Alors, quand vous venez de là, je pense que mon école est l'école la plus dure. Je pense que c'est mon école la plus dure. Il faut la mériter. Il faut la mériter aussi. Bon, il y a des moments aussi, il faut savoir mettre les choses, mettre de l'eau dans son vin. Mais j'ai tellement envie qu'ils soient des seigneurs, des maîtres à penser, qu'ils sachent de quoi ils parlent. Mais j'ai retenu une très grande leçon de la danse aussi. C'est beaucoup d'amour aussi, de tendresse et de compréhension. Hein. Même mes filles et mes garçons, involontairement, ils m'ont donné quelque chose. Ils m'ont appris beaucoup de leçons, peut-être d'humilité, peut-être de gentillesse, de tendresse, tout ça. Et d'union, toujours rester unis. Parce que je pense que notre vie aussi est basée sur la vie de communauté. Et pour nous, on se sent bien quand on est entouré, quand on doit faire quelque chose ensemble. Un peu, et puis voilà, nous sommes partis. Il y a toujours quelque chose de joli à retenir. Il regarde parce qu'il est simple, et c'est là ce qui est joli. Les choses simples, naturelles. Une position, par exemple, des fois on répète qu'on a terminé, on a 5 minutes, on s'assoit et puis tu regardes une fille qui est en train d'être assise comme ça ou comme ça. Tu dis, mais ça c'est un tableau ça. Ça c'est un tableau. Alors à partir de là, ça est, tout est remis en cause. Parce que le mouvement, le geste, la position a donné que ça a fait un déclic dans ta tête. Et ça c'est joli. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours eux qui m'ont donné. Et c'est vrai. C'est pas parce que je suis... Non, parce que c'est la vérité et les gens ne veulent pas croire. C'est ça la vérité. Sans eux, je ne peux pas. J'ai dansé d'abord dans les groupes de district. Dans le temps, il y avait des groupes de district ou de quartier. J'habitais maman, mes parents habitaient maman et j'allais à l'école et puis en vacances. J'allais danser en cachette sans que mes parents sachent parce que mon père a voulu faire de moi quelqu'un qui travaille dans un bureau. Après, la troupe était la seule troupe d'ailleurs à exister, c'est celle de Madeleine Mowa, la grande Madeleine. C'est-à-dire que j'étais leur attida.
Madeleine m'a conseillé, qu'elle m'a confié certaines choses à faire. Et je dirigeais son spectacle. Et Madeleine, et elle, était vraiment... Et à partir de là, bon, il a fallu prendre tout en main. Il a fallu essayer de penser au costume, comment il faut faire le costume, qu'est-ce qu'il faut faire pour le spectacle dans les hôtels, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hôtels en ce temps-là. Il n'y avait que les Tropiques et l'hôtel Tahiti. Et petit à petit, et maintenant là, ça va faire 20... Cette année, ça fera 29 ans. Le Heiva, c'est une autre dimension, le Heiva, parce que c'est la troupe, rien que la troupe, toujours la troupe. C'est ça. Mais c'est fabuleux si un jour, on pourrait avoir une très grande troupe. Et ça permet aussi à ce pays d'avoir des représentants, des ambassadeurs dignes de ce nom. Dignes de ce nom. Il n'y a pas de danseurs professionnels, c'est faux. Il n'y a pas. Il n'y en a pas ici, chez nous, qui est obligé de travailler en dehors. Le soir, tu vas répéter pour pouvoir rester une heure, deux heures de répétition, retourner chez toi, faire tes costumes, tes courants, tes machins, et aller à la danse. Alors là. D'abord parce que les chants de Coco sont extraordinaires et puis il arrive à vraiment exprimer la mentalité polynésienne par ses chants, par ses danses. Et on est presque... Quand on entend les chants de Coco, on est transfiguré, on a envie de l'exprimer. Le mérite ne me revient pas. Le mérite revient à ces filles, à ces garçons, à ces musiciens qui en a marre de moi, ça je sais. Mais peut-être ils se sentent bien au sein de la troupe parce que nous sommes une communauté, nous avons des convictions très profondes. Peut-être à partir de là, c'est pour ça que nous sommes restés unis aussi, mais je n'ai aucun mérite. Aucun mérite parce que mon rôle était simplement de faire ce que les autres font. C'est super parce que tu les as aimés, tu les as tendus à un moment donné, tu les as secourus. Et ça, c'est important. C'est important parce que moi, je ne peux pas oublier qu'un jour, Madeleine m'a apporté. Elle m'a donné ça et pour tout l'or du monde, je ne voudrais pas changer. Changer d'avis, changer de travail, il n'en est pas question.
parce que je suis bien avec eux. Je ne sais pas s'ils sont bien avec moi, mais moi je sais que je suis bien avec eux. Ça ne peut pas être mon nom parce que sans eux, je ne suis rien du tout. Il a fallu faire avec. S'il n'y avait pas ces gars, ces filles qui sont venus pour faire un spectacle, les plus grands moments qu'ils m'ont donné, ce n'est pas l'ensemble du spectacle. Mais quand tu regardes individuellement chaque fils, chaque garçon, chaque musicien, alors le temps, on oublie le temps. Le temps n'existe plus, le temps s'est arrêté à une seconde près. Il n'y a plus rien qui existe, il y a ça. Ça, c'est joli. Parce que tu ne peux pas enregistrer ça, tu ne peux pas prendre ça en photo. Tu as ressenti le petit, c'est terminé. Quand on me demande, est-ce que tu as un album, je n'ai pas d'album. Parce que j'ai tout emmagasiné là et là. C'est peut-être de l'égoïsme, mais je n'ai pas envie qu'on les détériore, qu'on les abîme. Parce que c'est à moi, c'est personnel. C'est mon jardin secret.